Donne saut de marché. Bon, alors je vais raconter un peu ma vie, hein. Est-ce que ça s'est lancé? Ouais, c'est bon, nickel. Je suis sûr que nous serons captivés en écoutant ce que tu vas dire. J'ai fait des courses. Tout le monde s'en branle, mais. Mais il m'en fiche! Je suis parti à l'impro en fait. Puis j'ai trouvé des trucs stylés que j'ai achetés. Enfin, c'est nul à chier, mais voilà, j'avais envie de raconter. Donc, le dernier tome de ce truc-là. Alors là, c'est à l'envers, j'espère que au résultat, ce sera à l'endroit. Oui. Ah, j'ai pas les autres. C'est pas grave. Ce truc-là, c'est un ensemble de bandes dessinées. Là, voilà, il y a tous les différentes histoires, là. Toutes du même auteur qui racontent mais comment les humains se démerdent sur d'autres planètes. Donc c'est un concept que j'adore et que je vais moi-même adapter, ça j'en parlerai plus tard. Mais voilà, c'est des gens qui survivent sur des planètes plus ou moins bien selon voilà, la situation quoi. Et là c'est le dernier en date qui est sorti récemment, du coup que j'ai trouvé par hasard et du coup je suis content. Ensuite, ce que j'étais parti chercher à la base. Le tome 4 là qui est sorti il y a vraiment pas longtemps du coup là en octobre. Alors, c'est une histoire stylée qui m'a été conseillée par quelqu'un qui est sympathique. En gros, c'est un vieux de 30 ans qui a un peu raté sa vie, alors qui a pas de boulot et tout, qui c'est un peu la merde, qui a foiré ses études et tout ça. Il s'est contacté par une société un peu chelou, on sait pas trop si c'est légal, tu vois. Mais en gros, il prend une gélule qui le fait rajeunir de 10 ans. Et grâce à ça, bah, il refait ses dernières années d'études. Et du coup, bah, dans sa tête, il a 30 ans, forcément. Mais du coup, il est au milieu de jeunes de 20 ans au lycée. Et du coup, bah, il doit un peu faire semblant. Mais du coup, bah, forcément, il s'attache un peu. Et bon, il y a des bails, il y a des histoires, sinon ce serait pas drôle. Après ça, on s'en fout, ça ne regarde que moi, mais j'ai trouvé ça par hasard. Je l'ai trouvé absolument magnifique. C'est à Emmaüs, donc comme quoi on peut trouver des trésors. Je sais pas, j'ai flashé dessus. Et bon, ça, tout le monde s'en fout encore plus, mais voilà, c'était Gyoza VG. Et ça fait des semaines que j'en cherche et que je trouve jamais. Mais là, j'en ai enfin et je vais pouvoir bouffer ça ce midi. En une fois. Voilà. Du coup, bon appétit. Hmm.